Hey, salut à toutes et salut à tous, ici Chromy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle VOD, VOD de rentrée sur Chromy Tuto avec un petit run 80% sur Super Meat Boy qui fait la manette. Et oui, je ne fais plus au clavier, je fais mes runs maintenant à la manette. Ça me va mieux, j'ai quand même gagné sur peu de temps, 4 minutes, voilà, par rapport à mon ancien PB, donc c'est plutôt sympathique. Plutôt sympathique. Alors, que cette chaise, comment ça? Vous l'entendez? Non, vous l'entendez pas. C'est dommage, c'est dommage. On va lancer le run directement parce que j'ai énormément de choses à dire pour cette rentrée sur Chromy Tuto version YouTube, mais également version stream, parce que il y a énormément de choses qui vont venir, et eh bien au fur et à mesure de ce mois de septembre. Alors pour commencer, on va revoir un petit peu tout ce qui est habillage graphique. C'est-à-dire qu'on va voir des génériques, un écran d'accueil, tout simplement un petit écran d'accueil avant le stream, un petit écran après le stream, un nouvel écran pub, parce que voilà, vous savez bien que dans l'écran pub, je mets des jeux que je fais. Et dans les jeux que je fais, actuellement, j'ai mis League of Legends. Parce que je ne fais plus. Je ne fais plus du League of Legends. Donc pourquoi le mettre, vous allez me dire. Donc on va le retirer évidemment. Hop. Et on va faire également énormément de choses au niveau des habillages des streams. Essayer d'être vraiment un peu plus professionnel. Le fond vert, on va vraiment taffer rapidement pour avoir un fond vert fonctionnel. On va me dire pourquoi fond vert? C'est pas si important que ça. Voilà, la qualité n'est pas si mauvaise que ça. Et bien c'est pour le deuxième projet. Il faut savoir que Eclipsia va lancer très prochainement une TV3. TV3 qui sera un petit peu plus ouverte, qui permettra à des streamers méconnus ou tout simplement qui ne sont pas à Ashford comme moi par exemple, de pouvoir stream de chez eux sur la TV3 d'Eclipsia et ainsi déjà de 1 se faire connaître, mais ensuite de pouvoir aider, on va dire ça comme ça peut-être, Eclipsia dans certains projets. Et il faut savoir que j'ai postulé pour Eclipsia, pour la TV3 d'Eclipsia, avec différents projets en même temps. Voilà, c'est bien de parler de streaming, mais je voulais présenter également des projets pour le site, parce que le site mérite une petite aide, tout simplement. Toute aide, je pense, peut être la bienvenue pour Eclipsia. Donc du coup, j'ai présenté deux projets. Un projet Hearthstone. Il faut savoir que très bientôt sur YouTube vous allez retrouver une série de vidéos, free to play, je dirais ça comme ça, où vous allez avoir donc on fait un magnifique gold split, merveilleux. Vous allez avoir des présentations de deck. Alors présentation de deck en deux parties. La première partie sera consacrée à des decks gratuits. Vous aurez des decks gratuits. Je commence à faire un paladin. Pour l'instant vous aurez un paladin gratuit. Un paladin un paladin rose bonbon. Non, je déconne. Vous aurez un paladin 100% gratuit avec des cartes de base tout simplement. Et ensuite vous aurez une deuxième vidéo qui accompagnera cette première vidéo tout simplement. Qui sera consacrée toujours au paladin. Je fais n'importe quoi là. Voilà, je suis passé, je suis content, c'est bien. Hop, merci. Qui sera une amélioration de ce deck gratuit avec des cartes communes ainsi que des cartes rares. Donc on se restera quand même dans des decks assez low cost, c'est comme ça qu'on les appelle, des decks low cost, donc qui ne prend pas en compte des cartes rares, des cartes épiques pardon, ou des cartes légendaires. Ça reste sur des decks low cost ce qu'on appelle. Et à la fin de cette amélioration, je veux dire ça comme ça, je vous présenterai quand même les différentes variantes que vous pourriez faire et cartes que vous pourriez ajouter en épique et en rare, juste en légendaire, pardon, malgré tout. Parce qu'évidemment, je n'ai pas toutes les cartes encore, c'est bien dommage. Il serait bien d'un jour de mettre, bien de faire, de mettre, de prendre 40 decks, voilà, de prendre 40 decks. Alors, c'est un peu chéros, je vais l'avouer. Mais si le projet TV3 se concrétise, je veux dire ça comme ça, ce sera un, un achat, je veux dire ça, qui sera possible. Donc je le ferai pour pouvoir vous proposer
un meilleur contenu sur Hearthstone. Donc voilà. Donc un peu, ce n'est pas vraiment le retour des tutos, mais c'est plutôt, eh bien, une aide, voilà, aux nouveaux joueurs. Puisque j'entends souvent dire, j'ai pas de légendaire, je passe pas le niveau 20. Très bien, c'est bien gentil, mais j'ai pas de légendaire. Enfin, si c'est faux. J'en ai eu une ce matin. Oh putain. J'en ai une ce matin. J'ai eu la légendaire des druides. Du quoi, c'est Scénarius? J'ai eu Scénarius ce matin, donc c'est faux. J'ai des légendaires maintenant, j'en ai une. Yeah! J'ai une légendaire. On n'a pas de légendaire, on peut pas passer niveau 20. Alors c'est entièrement faux, parce que voilà. Mon plus haut classement a été le rang 10 actuellement, parce que je joue très peu en classé. Faut bien l'avouer, je joue très peu en classé actuellement. Parce que bah justement, je m'occupe de préparer cette émission. Donc pour l'instant, je ne joue très peu en classé. Mais voilà, je suis monté jusqu'au rang 10 sans légendaire. Et je veux dire quasiment sans épique. Voilà. Je jouais avec un deck mage. Et mon deck mage contient une épique. Donc on ne vienne pas me dire que c'est obligatoire d'avoir des légendaires. C'est faux. Donc je suis complètement outré partant de. Donc voilà. Donc je vais vous proposer des petits decks pour les différentes classes. Alors évidemment, il y a certaines classes qui se prêteront. Eh bien, comment dire, un petit peu mieux au jeu du gratos deck, je dirais ça comme ça, deck gratuit. Pense que voilà, des classes comme Paladin, comme Mage se prêteront davantage au deck gratuit que par exemple Chasseur. Le Chasseur, j'avoue que j'ai voulu commencer par Chasseur, mais pas facile. Pas facile de commencer par Chasseur. Donc, du coup. Je me suis retranché sur, eh bien, Paladin pour commencer. On fera Paladin Mage, je crois, pour commencer. Puis, peut-être un deck prêtre, ce genre de choses. On va bien voir. On va bien voir. Vous aurez ça. Je proposerai également, que j'ai proposé également à Eclipsia. Voilà, parce que je sais bien de faire des vidéos, mais je peux faire également, eh bien, une version texte, tout simplement, de cette proposition. Voilà. J'aurai des statistiques, j'aurai les cartes, j'aurai les images, donc je peux très bien proposer ça en texte, tout simplement. Hop, on enchaîne, on a déjà la Salle Factory, hein. Je papote, mais très bien. Ça passe, c'est bon. Hop. Ça passe aussi, ça. Et oh, magnifique. J'arrive de mieux en mieux à la manette, hein, à faire ça, parce qu'avant au clavier c'était compliqué, je trouvais. Maintenant, là, hop, hop. À la manette, je trouve ça beaucoup plus simple de faire la propulsion boostée grâce au saut. Enfin, vous m'avez compris, hein. Ceux qui jouent à Meat Boy ont compris ce que je voulais dire par ça. Alors ici, c'est une nouvelle technique que j'ai vue il y a pas longtemps. Voilà, qui apparemment marche plutôt pas mal. Et vu que le gars qui le fait, c'est celui qui a le record du monde, je pense que sa technique marche plutôt bien. Voilà, je pense que sa technique marche plutôt bien. Même si c'est un noob, bah évidemment, il n'a que le record du monde, quoi, c'est... Voilà, il aurait pu faire mieux, je pense. Non, je rigole, évidemment. Je rigole. Donc ça, c'est la première chose que je vous prépare. Des decks un petit peu gratuits et low cost. Je prépare également, eh bien, un article. Alors, je sais pas, sera un article est possible de faire sous vidéo. C'est, eh bien, une petite rétrospective, je dirais ça comme ça, des meilleures cartes, toujours sur Hearthstone, hein. Des meilleures cartes, comment dire, par statut. Donc je prendrai les meilleures cartes, je parlerai des meilleures cartes de... Ah, j'ai loupé. Non, j'ai pas loupé. Ouh, c'est pas passé loin. Ah bon. Allez, tac. Donc on parlera évidemment des meilleures cartes communes, des meilleures cartes rares, des meilleures cartes épiques, des meilleures cartes légendaires, ce genre de choses. Donc, les cartes que... faut crafter, je dirais, entre guillemets, en premier. Voilà, alors je sais pas, moi,
On va dire un exemple, ah bah une bonne carte commune. C'est le Golem des Moissons par exemple. Golem des Moissons, très très bonne carte commune. Dans les cartes rares, on pourrait dire, je sais pas moi, le Drekazur, une bonne carte rare, ce genre de choses. Voilà, une légendaire, Leroy Jenkins, bonne carte légendaire, ce genre de choses. Voilà, ce sera un petit peu comme ça, une petite rétrospective de des meilleures cartes à avoir, à crafter tout simplement, pour avoir eh bien une base dans le jeu. Ah, j'ai loupé, hop, c'est pas grave, on est quand même pas trop dégueulasse là-dessus. C'est bon, on va toujours être en avance, je pense, de pas grand chose, toujours peut-être dans les 2 secondes, mais au moins, et non, 4 secondes et un gold split numéro 2. J'adore. Donc voilà. Ensuite, il y aura un projet, eh bien, Smite, qui sera, eh bien, aussi bien fait sur YouTube que peut-être prochainement sur Eclipsia également. Il s'agit, eh bien, d'une présentation des nouveaux personnages. Alors, pourquoi sur Eclipsia? Il faut savoir que... à chaque fois qu'il y a un nouveau dieu qui sort sur Eclipsia, ils font un petit article. Alors là, je sais pas pourquoi j'étais dans la lave, mais c'est pas grave. On va dire que c'est l'erreur à ne pas faire. Hop. Ils font une petite présentation du personnage de telle manière que, en fait, ils posent juste un petit message d'introduction en disant: ouais, il y a un nouveau personnage qui sort. Ce sera un guerrier. J'avance. Et ils vous mettent en dessous la vidéo. Eh bien, la vidéo fait par... Qu'est-ce que je fous? J'ai pas compris ce que j'ai fait là, mais ça avait l'air très intéressant. Ça avait l'air très intéressant. Ok, c'est bon. Ça passe, c'est bon. Et donc, il faut juste la petite vidéo. Et c'est tout. On va dire ça comme ça, c'est tout. Donc du coup, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, oh, on a manqué de... Oh putain, je fais le con. Oh, c'est bon. Pas sûr, j'étais pas sûr de ça, donc du coup je préfère assurer. Et donc je vous ferai un petit article, une présentation du personnage, donc présentation des caractéristiques, de ses compétences, de eh bien peut-être de ses skins également. Ça dépendra si on y a accès, sur le PBE, parce qu'évidemment il y a un PBE, que vous pouvez avoir même chez vous, accès à ce PBE de manière assez facilement. Il suffit de télécharger le client de test et d'avoir un compte normal. Voilà, pas grave, ça passe. On va dire que ça passe. Voilà, c'est bon. Hop, un petit peu parce que c'est vraiment des niveaux qui sont pas compliqués, mais il faut quand même réussir. Il faut quand même les réussir. Alors ici, ce niveau-ci. Oh non, please. Voilà. On sort, on fait le 19. Donc une petite présentation de personnage. Et également, eh bien, j'aimerais bien atteindre le niveau 30 rapidement. Parce que ça fait, eh bien, un petit temps que je ne suis toujours pas niveau 30. Il faut peut-être que je l'atteigne pour pouvoir eh bien vous proposer des vidéos. Comment dire, des vidéos, eh bien, pas dire haut niveau, mais vous proposer eh bien de la ranked classe. De la game ranked. Parce que, eh bien, c'est un truc que je ne trouve pas facilement, je trouve. Du moins en français. En anglais sur Twitch, vous avez des ranked, c'est pas un problème. Mais en français, eh bien, je n'en trouve vraiment pas beaucoup. Et c'est bien dommage. Donc je vous proposais du contenu un petit peu différent. Parce que même sur Eclipsia,
voilà des Dari par exemple, Xari ou même Jiraiya font des fois de temps en temps eh bien, des parties de Smite. Et eh bien vous n'avez pas eh bien, ce mode classé, ils sont toujours eh bien, en graduation vers le niveau 30 et j'aimerais bien vous proposer ça. Donc ça fait partie d'un des projets que j'ai proposé pour la TV3 tout simplement. Donc voilà. Voilà. Alors, encore un gold split! My god, je ne fais que des gold split, c'est formidable. Combien de temps? Oh, de 3 secondes! Ouais. Alors, gold split, c'est bien beau, mais. Hop. On va essayer de se concentrer parce que Rapture, c'est vraiment la merde. Enfin, c'est pas que c'est la merde, mais c'est bon. On va dire que c'est quand même des niveaux pas très faciles, faut bien l'avouer. Et que ben, c'est là que commencent les erreurs. Les erreurs tout simplement. Hop, 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 on a manqué d'en faire une ici d'ailleurs. Hop. Hop. Ça passe. Alors ici justement, voilà. Ici c'est là où les erreurs commencent à se mettre en place. Du premier coup, oh mon dieu, en Rise, donc ce niveau que je viens de passer maintenant, c'est l'un des niveaux que je déteste le plus. J'ai vraiment énormément de mal avec comment ça s'appelle, avec l'orbe de lumière, l'orbe. Donc hop hop hop, avec l'orbe. Alors, The Fallen avec les doubles clés. 1, 2. 1, 2. Ok, c'est bon. Alors, je loupe de moins en moins la clé. Une bonne chose parce qu'avant, je la loupais énormément. Bon, ça m'arrive de louper. Hop. On sort de la map. On sort de la map et on commence. Allez, hop. Ici, c'est là que commencent les emmerdes. Réussi à gérer. Ok, on est bon. Allez. Donc voilà, ça fait partie du projet. Et bah, les choses à venir aussi. Voilà, j'aimerais eh bien commencer à investir un petit peu plus. Et eh bien, de money. Dans, eh bien, dans du matériel, tout simplement. Donc voilà. Pour l'année, je veux dire 2014-2015. Investir dans un nouveau micro. Investir dans une nouvelle caméra. Tout simplement. Non! Pourquoi il était là, lui? Pourquoi il était là? Ah, salaud! C'est bon, ça passe. Ça passe, allez, suivant. Alors mon Larry, il était comment le Larry? Je ne sais plus. Ah, je suis tombé. Trop tôt, c'était trop tôt, c'est pas grave, tant pis. Hop. Ça va, ça tient, alors. Trop bas. Allez, ça passe. Ça passe du premier coup ici. Non. Non. Court. Presque, c'est bon. Allez. Ah, ça, c'est un niveau que je ne savais pas faire au clavier. Ah, je ne sais toujours pas le faire au clavier. Toujours pas le faire. Non! Pourquoi? Ou Chromie, putain! Non, mais c'est pas possible. Chromie, il est facile ce niveau. Voilà, je commence à m'énerver un petit peu.
Voilà, il est pas vraiment pas compliqué, hein. On sait un peu. Merci bien. Hop, comment carotter un niveau entier en 2 secondes et demie. Hop, allez hop, petit tir, merci. Enfin, ça, donc vous aurez plus de jeux indépendants, j'espère. Non, il me reste un niveau à faire. Il me reste un niveau à faire. Ah, très bien. Ah, très bien. La clé, il me faut la clé. Il me fallait la clé. Voilà. Allez, on a Larry maintenant. Larry, j'espère sera gentil avec moi. Et le 1. Oh, bien. 1. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, oui, 14, oui, 15, mais bien sûr, 16, c'est quoi ce troll? 17, 18, mais putain, 19, 20, 21, 22, 23, 24, oh, il est génial. 25, 25, 25. Il était exceptionnel celui-là. Oh putain. Oh, il était exceptionnel. Bah voilà, 25 secondes de retard, très bien. 25, bah voilà. C'était en mode. Ah, t'avais de l'avance. Maintenant, tu vas voir du retard. Ah. Alors, ici, j'arrive pas trop bien ici. Okay. On va faire le à l'ancienne. À l'ancienne, c'est bien. À l'ancienne, c'est très bien. Hop, voilà. À l'ancienne, c'est très bien aussi. Non! Oh le con! Oh, j'ai fait le gros con là. Oh là 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 là. Oh oui, bien ça. Tomber comme une merde. Hop. Oh, exceptionnel. Exceptionnel. Oh, ce chromie. Et on voit du rêve, hein. Oh, aïe 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 aïe. Donc le renne est mort là. Parce que j'ai fait le gros con. Exceptionnel. Ben voilà, c'est pas compliqué. Bon là par contre le run est mort mais c'est pas grave. Pas grave. Donc, en résumé, toujours rester dans les projets. Énormément de bonnes choses, j'espère qu'ils vont arriver très bientôt pour vous. Évidemment, le principal, les principaux, comment dire, gagnants là-dedans, ce serait vous. Parce que voilà. Si par exemple je pouvais avoir une place sur la TV3. Eh bien, ce serait peut-être voilà, le moyen pour investir dans du matériel de meilleure qualité pour vous, simplement. Un meilleur micro, une meilleure caméra, ça ferait tout de suite le taf. Là, je suis en train d'investir dans un fond vert. Tomber, c'est pas que j'ai fait un fond vert. Ah. Hop. Donc, le fond vert même amènera bien des choses supplémentaires, voilà. Au niveau de la présentation.
Hop. Ok, Omega. Ah, Omega, là c'est la merde. Omega, vous savez bien que c'est toujours mon run killer. Pour l'instant, le run killer se passe bien. Il est étonnant. Ici que ça a commencé à se corser. Donc, voilà, je suis tombé comme une merde. Évidemment, j'ai été trop loin. J'ai chié, trop loin du bord. J'étais trop haut. Super. Trop loin. Ah là là. Enfin, là c'était quand même mort. Le run était quand même bien, bien mort. Avec. Oh putain, mais je fais erreur de débile là. Please. Et reprenez-lui sa manette. Ah très bien, c'est sur le bon spot pourtant. Mais c'est pas grave, on va dire que c'est fait exprès. Loin. Putain, mais j'étais sur le bon spot là encore. C'est pas possible. Alors dans mon run bébé, je l'ai passé en deux. C'est quoi là? C'est passé quoi là? Donc voilà. Donc on va reprendre les streams peu à peu. Normalement, eh bien, je sais pas si cette vidéo. Je crois pas que je la posterai. On est lundi. Je ne sais pas si je la posterai ce lundi-ci. Je la posterai eh bien. Pourquoi mon personnage n'avance plus? S'il vous plaît. La. Oh, allez, va te faire foutre. Hein. Voilà, donc là, on va commencer à faire le con, parce que c'est important. Yeah, c'est passé. Allez. Enfin. Je suis passé. Alors en dessous de 29 minutes ça va être compliqué je crois. Oh, quoique non, c'est possible. C'est possible. Ça prend 1 minute 30 pour faire fœtus. Quoi. On le passe en une fois évidemment. Hop. J'aurais pu passer là mais bon. Pas grave, on a le temps maintenant, de toute façon tant qu'on passe le rideau de scie, j'ai envie de dire c'est le principal. Allez passe au-dessus, hop tac. Voilà, on est bon. On est bon. On va quand même avoir 3 minutes de retard facilement. On va quand même avoir 3 minutes de retard facilement. C'est bien dommage. On ne va pas se faire tuer par le truc. Et des fois il y a des bugs. J'ai eu le bug l'autre jour. Je vais tuer par Ah j'étais trop lent. Trop lent. Pas grave. Et voilà, 28,51. Bah c'est bien. On est en dessous de mon ancien PB. Hey. Mais c'est déjà bien, 28,51, c'est déjà pas mal. On a fait quelques petits gold splits. Bon d'ailleurs, directement. Ah oui, on va garder les gold splits, c'est important les gold splits. C'est pas mal les gold splits. Bon et bien voilà.
Je pense que j'ai été complet, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve, eh bien, nous, de toute façon, on se retrouve ce soir. Alors que peu importe que cette vidéo soit postée lundi ou mardi, on se retrouve ce soir vers 20h pour jouer, tout simplement. On va jouer. Pour cette rentrée, je sais pas ce qu'on va faire. J'ai envie de faire de la 3v3 sur LoL. J'ai vu une vidéo de 3v3, je me suis dit, tiens, je ferais bien un peu de 3v3, ça ferait plaisir ou quoi, je sais pas. Je vais bien voir ce qu'on fera. Voilà. Donc, je posterai demain. Je posterai mardi cette vidéo. Donc, on sera mardi. On se retrouve ce soir, mardi. Jeu indépendant. Jeu indépendant, affronter du Rogue Legacy. Il faudrait que j'ai plus fait du Rogue Legacy. On verra bien. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux si vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez tout sur votre gauche, sur ma gauche. Vous avez le Facebook, Chromy Tuto, le Twitter, Chromy TV, ainsi que le YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir toutes les informations, toutes les vidéos qui sortiront. C'est Chromy Tuto également. Si vous avez apprécié cette vidéo en particulier, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire grandir cette chaîne, tout simplement. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.